mesdames, messieurs. C'est un réel plaisir d'être parmi vous, bien sûr, aujourd'hui, à l'occasion de cette 4e édition du Salon e-tonomie. Cette année, vous innovez encore, puisque ce salon coïncide avec l'inauguration de cette agence, madame, que vous venez de présenter fort bien. Je voudrais saluer le format inédit de votre approche. Vous avez su rassembler autour d'un objectif commun et que nous partageons, parce que tout ce que vous avez évoqué, on y travaille, les acteurs institutionnels, économiques ou encore ceux d'innovation qu'on a vu aussi aujourd'hui, autour d'une ambition partagée qui est celui du soutien à l'autonomie. Je mesure ces difficultés aussi et les démarches d'une telle démarche. Je sais aussi que c'est compliqué parfois d'allier des départements, mais vous êtes précurseur en la matière parce que vous aviez déjà tenté. Je vous invite à continuer, c'est une très belle idée. Je mesure aussi l'audace de réunir les financeurs, de mobiliser l'écosystème d'innovation, de mobiliser les structures de soutien de services à domicile, bref, l'ensemble des parties prenantes du soutien et de l'accompagnement à la perte d'autonomie. Votre initiative confirme que les territoires sont bien davantage que des laboratoires d'expérimentation. Ce sont les maîtres d'œuvre de l'action concrète au plus près de nos compatriotes vulnérables. C'est cela qui permettra de hisser notre pays aux meilleurs standards de l'accompagnement des aînés dans une vie active. Mais, vous me direz de façon tout à fait légitime, notre pays traverse une crise sanitaire intense. Certes, je peux en témoigner devant vous, il n'est pas simple. Il n'est pas simple de construire les solutions de demain lorsque nous devons veiller au quotidien, protéger sans isoler les personnes âgées, qu'elles soient à domicile ou en établissement. Mais je ne vois pas de contradiction, bien au contraire. Je crois justement que la situation actuelle nous oblige encore plus que jamais à dessiner ces solutions de demain. Avec tous les acteurs du grand âge, auxquels je veux rendre une nouvelle fois hommage aujourd'hui, car je sais ce que nous leur devons depuis des mois. Nous leur devons davantage qu'une reconnaissance. Nous leur devons la confiance dans leur métier, dans leur action au quotidien pour les aînés. Nous sommes aujourd'hui au cœur donc de cette crise sanitaire qui nous met collectivement à l'épreuve, mais qui renforce notre ambition partagée pour ce beau chantier. La brutalité de la crise nous pousse dans nos retranchements, nécessite de s'adapter, d'anticiper et d'innover, quitte à bousculer justement les habitudes. Cette épreuve peut être aussi une réelle opportunité, si elle nous permet de construire des solutions durables, par-delà la réponse immédiate à la gestion de l'urgence. C'est d'ailleurs là toute la dynamique à l'œuvre de cette Silver Economy, cette économie des cheveux blancs, qui représente la réponse des acteurs économiques à la société de longévité dans laquelle nous sommes entrés de plein pied. Soyez assurés que le gouvernement porte pleinement le défi de cette transition démographique. Il le place au cœur d'un grand mouvement de réformes, d'actions concrètes en faveur de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées. Les chiffres sur le vieillissement de notre société, vous les connaissez, je n'en évoquerai qu'un seul. D'ici 2025, nous aurons 1 million de personnes âgées de plus de 75 ans supplémentaires dans notre pays. L'urgence démographique, ce n'est donc pas dans 10 ou 20 ans, c'est dès maintenant. Nos territoires sont les premiers concernés par cette mutation démographique majeure marquée par le vieillissement de la population et une augmentation significative du nombre de personnes fragilisées ou en situation de perte d'autonomie. Par ailleurs, il faut garder à l'esprit que la très grande majorité des Français aspirent à bien vieillir à leur domicile le plus longtemps possible. Il faut donc relever ce défi d'une politique publique qui fait du bien vieillir chez soi une vraie priorité. La Silver Economy, c'est un acteur essentiel de l'approche domiciliaire. Avec l'offre de services et de soins nécessaires, tous ceux qui nous ont été démontrés aujourd'hui nous permettent d'aller très loin dans ce confort et cette sécurité. Et là, nous pouvons évidemment nous appuyer sur le développement, vous l'avez démontré, de la domotique, de la télémédecine, de la digitalisation des services, des outils numériques à domicile, et ils ont été précieux en ces temps de crise sanitaire et de confinement. D'une offre de services, en fait, accessible à toute personne. Au-delà des enjeux sociaux, voire sociétaux qu'elle pose, la société de longévité représente une formidable opportunité
économique dès lors que notre pays favorise l'innovation, déploie un tissu productif en capacité de développer les solutions accessibles financièrement au plus grand nombre. Force est de constater que la France dispose d'une filière dédiée, bien structurée, autour d'écosystèmes régionaux d'innovation. Nous comptons déjà plusieurs champions français en matière de domotique et de services innovants aux personnes âgées. Mais je suis convaincue que nous pouvons encore faire bien mieux. À ce titre, le rendez-vous d'autonomie est l'illustration convaincante de la manière dont les acteurs économiques, avec le soutien des collectivités territoriales, savent se saisir de ce potentiel de la transition démographique. Bien vieillir chez soi le plus longtemps possible, c'est adapter, aménager le logement, mais c'est aussi, si l'on veut combattre l'isolement des personnes âgées, ouvrir le domicile sur son environnement avec les moyens de l'accessibilité. En tant que ministre déléguée en charge de l'autonomie, je souhaite être une facilitatrice de l'innovation en faveur de l'autonomie. Avec le plan France Relance, nous disposons d'outils inédits pour faire émerger de nouvelles solutions, que je vous invite d'ailleurs à user, avec 2,1 milliards d'euros d'investissement qui vont être spécialement dédiés à ce secteur. Cet effort d'investissement permettra une transformation majeure de l'offre avec un élargissement des solutions pour la prise en charge des aînés, du soutien à domicile, en établissement, dans les nouvelles formes d'habitat inclusif. Ces investissements s'accompagneront d'une réflexion avec l'ensemble des parties prenantes pour inventer l'EHPAD de demain, qui devra être à la fois plus ouvert sur l'accompagnement à domicile, ainsi proposer une plus grande diversité de solutions d'hébergement et surtout un parcours non haché. Nous investirons aussi massivement dans le numérique en EHPAD et à domicile pour faciliter la vie des professionnels dont vous avez parlé, messieurs les présidents, et faciliter les liens entre les personnes et leurs proches. Dans ce cadre, je souhaite travailler avec vous sur ces solutions innovantes et technologiques qui permettront de sortir les personnes âgées de cet isolement à domicile ou en établissement. Mais nous devons veiller aussi à ce que ces outils restent au service de la personne ainsi que de leurs proches aidants. Je serai vigilante à ce que le consentement des personnes soit toujours pris en compte, que les usages soient solidement réfléchis, encadrés pour respecter les citoyennetés, de la dignité et de la liberté des personnes âgées, là où aujourd'hui, trop souvent, on parle ou on décide pour elles. Cette politique de l'autonomie, je veux la construire avec les acteurs du grand âge, tant avec les acteurs de l'innovation que les représentants d'exécutifs locaux, présents, les départements bien sûr, et en faire un enjeu de mobilisation de tout le corps social. Construire ensemble cette ambition, c'est précisément l'objet du Laroc de l'autonomie que je m'apprête à lancer et auquel, bien sûr, les départements et tous les acteurs que vous représentez seraient naturellement invités à participer au cours des prochaines semaines. À très bientôt donc. Je vous remercie infiniment pour votre attention.